ça fait énormément plaisir de pouvoir revenir en terre landaise et puis d'avoir été convié à cette belle manifestation. Je remercie du coup Laurent qui m'a proposé d'être le parrain de l'édition âgée de Mossienne des 40 ans. Et du coup, j'ai accepté naturellement. C'était un grand, grand plaisir de pouvoir revenir ici pour jouer avec l'harmonie. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je représente peut-être ce qu'a pu apporter l'école de musique d'Agen Mo sur le territoire. Et du coup, je suis un musicien qui a pu faire carrière dans la musique. Et maintenant, j'enseigne et je joue dans la région rouennaise. Mais voilà, c'est vrai que mon cursus a commencé ici, et avec Laurent, avec l'harmonie, tout ça. Donc, c'est l'occasion de pouvoir montrer que des structures comme l'école de musique d'Agen Mo et plus généralement le Conservatoire des Landes peut aussi, en plus de favoriser la pratique amateur sur le territoire, de pouvoir former aussi des musiciens qui après peuvent devenir professionnels. Donc voilà. C'est toujours une satisfaction d'avoir pu amener un élève à ce niveau, enfin, qui s'est formé après dans d'autres structures, mais de lui avoir donné les bases toujours, c'est ça qui fait plaisir, quoi. Et puis la venue de Paul s'est faite naturellement parce qu'on avait réfléchi avec l'équipe pédagogique de l'école de musique et on s'est dit que Paul d'Agen Mo, son papa qui a fait une musique, son oncle qui a dirigé la chorale ou qui dirige toujours, je ne sais plus s'il le fait toujours, mais qui dirige la chorale, il le fait plus. Son grand-père était musicien. Son grand-père était musicien, que j'ai connu quand je suis arrivé ici. Donc voilà, c'est une espèce de tradition musicale dans la famille, quoi. Donc c'était naturellement qu'il vienne avec nous. Et puis il vient des fois pendant les fêtes, il vient nous aider aussi quand il est là. Donc on sent toujours le plaisir de revenir avec nous, quoi.